Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie deux disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Quelqu'un va peut-être vous demander « Pourquoi est-ce que vous détachez cet âne ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Les deux disciples partent. Et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent « Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amènent l'âne près de Jésus. Ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du Mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples est pleine de joie et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Qu'ils disent « Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus répond « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » C'est toi.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous soient données en abondance ce matin. Amen. Regarde, est-il écrit dans la Bible, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse. Chers frères et sœurs, peut-être avons-nous un jour rêvé d'un sauveur, d'un Messie monté sur un cheval, d'un Dieu empereur de nos vies, muni de chars de guerre. Il n'en est rien, c'est le Dieu de la douceur qui vient à nous. Notre Dieu n'est pas le Dieu des puissants de ce monde. Notre Dieu est celui qui se manifeste dans l'humilité, la profondeur, le dénuement, le don de sa vie. Soyez les bienvenus pour ce temps qui s'ouvre à nous, pour ce temps de partage, pour ce temps avec et pour notre Seigneur. Quand Jésus trouva un âne et s'assit dessus, il dit « N'aie pas peur, population de Sion, regarde, ton roi vient assis sur un âne. Le Seigneur vient à nous, que jamais l'assurance de cette réalité ne soit écartée de vos cœurs. Que nous traversions désert ou jungle, maladie, pandémie ou désespoir, confinement ou marche glorieuse, que nous nous sentions loin du Seigneur, ou proche de lui, rappelons-nous que le Seigneur vient à nous sur un âne, comme on ne l'attendrait pas. Ce matin, nous sommes le dimanche des Rameaux, au pied de la Semaine Sainte, qui nous mènera jusqu'à la victoire de Pâques, la victoire du Christ ressuscité. Ce matin, se sont ajoutés à la petite troupe qui devient grande, Jean et Corinne, Noé, Alain, Simone, Tayan et Myriam. Et c'est Myriam à présent qui nous invite à la prière. Seigneur, ce matin, tu nous appelles à vivre ce temps avec toi. Nous te remercions pour ce moment d'apaisement pour nos cœurs, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous tourner vers toi. Merci pour ta parole qui nous réunit en ton nom, même si nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement en cette période. En ce dimanche où nous célébrons ton entrée à Jérusalem, nous nous souvenons de l'espérance que tu es venu apporter au peuple d'Israël. Seigneur, aide-nous à porter ensemble cette espérance dans la situation incertaine que nous traversons. Comme les manteaux étendu devant toi à Jérusalem, nous déposons devant toi l'orgueil qui nous recouvre. Seigneur, tu connais nos faiblesses, nos échecs et nos déceptions. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous éloignons de toi, submergés par nos angoisses quotidiennes. Tu cherches à nous consoler, mais souvent, nous refusons la main que tu nous tends. Tu cherches à nous apaiser, mais souvent, nous fuyons ton regard bienveillant. Pardon pour toutes ces fois où nous cherchons du réconfort ailleurs et refusons de te faire confiance. Comme les rameaux déposés devant Jésus à Jérusalem, nous déposons devant toi nos inquiétudes, nos questions et nos doutes. Toi seul peux nous éclairer. Toi seul peux nous soulager. Ô Dieu fidèle, accorde-nous ton Esprit Saint pour tenir bon face aux épreuves. Renouvelle nos forces pour résister au découragement et pour mener la lutte jusqu'au bout. Donne-nous d'être patients dans les moments difficiles. Encourage-nous à nous mettre au service de ceux qui nous entourent et à protéger les plus faibles, comme Jésus nous l'a montré. Rappelle-nous que rien ne peut nous séparer de ton amour. Comme la foule à Jérusalem, nous t'acclamons, joyeux et confiants. Hosanna, gloire à Dieu. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance d'être délivrés, car tu nous promets un avenir meilleur. En toi, Seigneur, nous mettons notre espérance, car tu as fait triompher la vie. Amen.
Marc 14, versets 1 à 9. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulture. Je vous dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En ces dernières heures, avant son chemin de passion, Jésus prépare les siens. Il enseigne, il prophétise. Il met les disciples et ceux qui l'entourent face à leurs aveuglements. Ouvrez vos yeux, ouvrez les grands. Voyez ce qui se passe devant vous. Voyez qui je suis. Voyez à quoi je suis appelé. Ce que je vais vivre, ce que je vais donner là, maintenant, au monde. En cette semaine sainte, le temps va comme se figer. Vous savez, ce temps cyclique, ce temps routinier, ce temps des habitudes, des petites assurances, va comme éclater face au temps de l'histoire, au temps du basculement. Pour Jésus et pour cette femme, probablement Marie-Madeleine, chaque heure de cette semaine sainte est vécue avec profondeur, avec une vive intensité. Les disciples, eux donc, restent en décalage, restent dans cette superficialité. Peut-être se disent-ils encore, c'est notre 25e, notre 26e, notre xème fête de Pâques. Rendez-vous l'année prochaine, même heure, même endroit, même chant, même psaume, même coupe de vin. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se trame sous leurs yeux. Et c'est peut-être là le grand miracle, le premier miracle de l'onction de Béthanie, c'est que cette femme a su, la première, à cet instant-là, saisir l'intensité de ce qui se vivait là pour Jésus, pour le monde. Elle a su accueillir le cœur de l'événement en vérité qui s'exprimait. Elle a su voir ce qui se passait là devant ses yeux. Elle a ouvert ses yeux. Bien sûr, tout le monde avait reconnu la figure extraordinaire de Jésus, son charisme hors du commun, les rameaux, les cris d'acclamation le montraient, mais ce n'était qu'une reconnaissance de façade. Ils attendaient le héros, le triomphateur, comme Simon Maccabée en -141, celui qui a chassé les occupants séleucides du pays. La foule voit venir, croit voir venir son futur souverain. Fils de David, oui. Héros politique, héros militaire, non, c'est un Messie souffrant. Son règne, son action, sa mission sont bien plus importants, profonds. Mais ils ne peuvent le voir. En ce temps de pandémie et de montée vers Pâques, il y a pour nous aussi la question de savoir saisir l'instant, savoir comprendre ce qui se passe là devant nos yeux.
Le temps s'est comme un peu figé, tout particulièrement pour ceux reclus confinés chez eux. Mais il en est un peu de même pour ceux qui agissent à l'extérieur, courageusement. C'est un temps particulier, animé par cet engagement spirituel, moral, humain, fort. Qu'avons-nous à saisir en ce temps où le monde s'est mis sur pause? Nous sommes devant une situation unique, un peu comme les disciples voyant Jésus et cette femme oindre ses pieds avec un parfum de grand prix. Comment regardons-nous ce qui se passe là devant nos yeux? Comment réagissons-nous? Marie-Madeleine vit avec intensité ce dernier temps avec Jésus, car elle a compris. Qu'a-t-elle vu que je n'arrive pas à voir? Qu'a-t-elle perçu que je ne peux saisir? Vais-je réagir comme tous ces pharisiens pendant 3 ans du ministère de Jésus, m'opposant, m'offusquant? Ou encore comme Judas, là, discréditant, calculant, au lieu d'ouvrir ses mains, au lieu d'ouvrir ses yeux, et de voir la profondeur et la vérité de ce qui se passe là devant lui? Serais-je capable d'accueillir ce règne nouveau, le visage d'une vie où le don, l'abondance du ciel m'est offert, où le pardon est à nouveau possible, me sont donnés? Cette femme, dont on ne sait rien, elle a su vivre cet instant avec le Christ, a su ouvrir ses yeux sur le temps qu'elle vit là. Elle a donné la valeur et la place dont il est digne, tout son cœur, tout son élan, tout son parfum, même de grand prix, c'était pour lui. Elle a su comprendre la profondeur d'un ici et d'un maintenant. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure. Je vous invite à la prière. Actif comme Marthe, nous te prions, Seigneur. Viens soutenir toutes celles et ceux qui sont engagés auprès des autres, tant dans les maisonnées que dans les centres de soins hospitaliers ou d'aide à la personne. Soutiens toutes celles et ceux qui sont engagés dans le domaine technique et dont les travaux se transforment en bénédiction pour nous. Nous te remettons leurs questionnements,
leurs angoisses, leur impuissance et leur fatigue, leurs insomnies, leur famille, leur avenir. Seigneur, soutiens également ceux qui doivent se positionner et prendre les décisions pour notre pays. Donne-leur force et clairvoyance dans ce sujet si complexe et inédit. Nous te confions nos lendemains, car tout est entre tes mains. Assis à tes pieds comme Marie, nous écoutons et te remettons toutes celles et ceux qui, au milieu du bruit, vivent dans une sorte de silence, car ils sont plongés dans un coma, une pause pour économiser la vie. Seigneur, toi seul pourras prendre le temps et franchir cette barrière énorme. Aussi nous te prions de leur parler de toi, de la foi, de l'amour et de l'espérance, de leur donner un peu de chaleur, de les tirer de l'abîme vers la vie, toi, le ressuscité. Nous te prions pour leur famille, coupée de toute communication. Soutiens-les dans leur solitude et dans leur angoisse. Entoure-les de tes bras d'amour. À genoux devant toi, comme Marie, nous répandons sur tes pieds un flacon d'huile, parce que nos mots ne suffisent plus, tant la souffrance est vaste. Seigneur, notre foi en ton évangile et notre espérance en ta résurrection, surtout dans ce temps de montée vers Pâques, sont les parfums que nous avons mélangés à cette huile, qu'ils te soient agréables comme le furent celles de Marie. À genoux devant toi, aux côtés d'Esther, qui s'est mise en avant auprès du roi pour sauver son peuple, nous pensons aussi à la planète tout entière. Nos prières se joignent à toutes celles qui montent de chaque pays. Elles sont incessantes et font le tour du monde, le jour et la nuit, pour appeler ton secours. Seigneur, que pouvons-nous faire d'autre que prier? Nous sommes prisonniers dans nos propres maisons, impuissants devant la misère humaine, la détresse du monde. Alors, Seigneur Père de toutes les créatures humaines, je viens déposer dans tes mains celles et ceux dont les visages me viennent à la mémoire. Je dépose dans tes mains les enfants des écoles, la cité de Malanville et de Donwari, tous les enfants du Bénin et du monde, avec leurs frères et leurs sœurs, leurs parents. Je dépose dans tes mains les enseignants et les enseignantes, les directeurs, les membres des comités de gestion des écoles de Malanville et de Donwari, tous ceux et toutes celles à qui nous avons confié les enfants dans le monde pour leur éducation. Je dépose entre tes mains les filles et les garçons que Hadouké soutient au Bénin, Précieux, Priscille et Steve, Nadège, Ornelia et Paterne, Jean-Baptiste et Geoffroy, Ernestine et Abdias, Jacqueline et Dorcas, sans oublier ceux et celles qui les ont pris en charge dans leur foyer. Une pensée particulière pour maman Pauline, aveugle, immunodépressive et sans ressources. Je dépose entre tes mains tous nos amis, ceux de Malanville, ceux de Donwari, ceux de Dangbo, ceux de Cotonou et tous les autres. Ils sont trop nombreux pour citer chacune et chacun d'entre eux. Je dépose entre tes mains l'Église protestante méthodiste du Bénin, ses dirigeants, ses pasteurs et ses fidèles, toutes les églises chrétiennes de par le monde, appelées à être créatives pour transmettre ton message d'espérance. Et puis je veux déposer entre tes mains les responsables politiques au Bénin et partout dans le monde, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au moment opportun. Étends aussi ta main sur tous les membres de notre association Hadouké, les jeunes comme les plus âgés, les valides et les malades. Ensemble, isolés et pourtant unis, séparés et pourtant en communion, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Allemagne, là où je suis actuellement et là où je vis, mais aussi en Espagne, en Italie, de l'Afrique à l'Inde, des États-Unis au Brésil, partout où nous sommes, où que tu sois, le Seigneur bénit l'humanité et les cœurs humbles. Et nous savons que chaque être humain, chaque ville, chaque pays, tous vont devoir faire face ou font déjà face à cette maladie. Mais ce que nous savons aussi, c'est que le Seigneur, il est là pour marcher à nos côtés dans cette épreuve et nous guider. Que le Seigneur de tout amour vous protège et vous garde, aujourd'hui et à jamais. Amen.